Drodzy winopijcy, dzisiaj specjalny odcinek. Znowu jest z nami gość specjalny. Richard Pfister. Oglądajcie. A tematem naszego dzisiejszego spotkania są aromaty w winie, ponieważ Richard jest specjalistą właśnie w tej dziedzinie. Richard, est-ce que tu peux nous dire qui tu es vraiment? Quelle est ta profession? Je me définis comme un œnoparfumeur, donc je suis œnologue et parfumeur. Ça existe? Tu es le seul au monde ou quoi? Je crois. Ok. Donc tu as créé le parfum dans le passé et maintenant tu crées des vins ou... Dans le passé, donc, je suis ingénieur œnologue de formation et ingénieur viticole également. Puis après, j'ai travaillé 7 ans dans la création de parfums. Parfums de luxe. Pour un parfum que nous pouvons connaître tous? Non. Ok. Quelques-uns, oui, mais je ne suis même pas sûr parce que je ne savais pas sur quel parfum je travaillais. Ok, voilà. Je ne savais pas que ça se passe comme ça. Oui, bah, je travaille avec un parfumeur indépendant qui était mandaté, lui, par notamment des grandes marques. Mais il gardait le secret de ce qu'il faisait. Comme il est indépendant, il fallait qu'il reste discret sur ce qu'il faisait. Ok, d'accord. Donc, tu as créé des parfums et après, d'où vient cet intérêt pour le vin? Bah, le vin, j'ai commencé là-dedans, mon père était vigneron, donc je suis né dans le vin. J'ai fait mes études d'œnologie et ensuite je suis parti dans le parfum. Puis donc, après, j'ai envie de revenir dans le vin. Donc, et maintenant, tu fais quoi? Alors, j'ai plusieurs activités. Une des principales, c'est d'être consultant pour les œnologues, pour les caves, pour apporter plus de précision sur la compréhension de la vinification grâce aux molécules. En dégustant, je repère des molécules, puis on peut beaucoup mieux comprendre comment influencer la vigne ou la cave d'une manière, la plupart du temps, vraiment naturelle pour augmenter ou diminuer la complexité des vins, changer l'équilibre, etc. Parce que quand je fais des dégustations avec les gens, je leur dis que les odeurs qui sont dans le vin, ce sont des odeurs naturelles. Parce que très souvent, quand je leur dis que je sens l'odeur de framboise ou fraise ou n'importe quoi, ils me disent « Ah, parce que cette odeur de fraise a été ajoutée au vin. » C'est pas ça, non? Effectivement, oui. Le vin, c'est un produit très complexe. On parle de 1000 molécules, jusqu'à 1000 molécules différentes dans un verre de vin. Mais c'est des molécules naturelles. C'est la vigne qui les produit, c'est les levures qui vont les produire, les fermentations, la vinification. On ne va jamais rajouter quelque chose. La seule chose qu'on rajoute, c'est l'odeur du bois. Oui. Voilà. Oui. Donc, j'en ai parlé dans notre épisode sur l'influence des barriques du bois dans le vin. Et vous pouvez voir cet épisode ici. Donc, si il y a une odeur de framboise ou je sais pas, une odeur de violette par exemple dans le pinot noir, elle est liée à quoi? Est-ce que c'est vraiment l'odeur de violette? Oui, pas exactement. Mais voilà. En fait, c'est la molécule principale de la violette, l'alpha-ionone en l'occurrence, qui dans le pinot noir, elle est beaucoup liée à la maturité du raisin. Donc, elle est présente naturellement. On ne va pas la sentir dans le raisin parce qu'elle est sous forme de précurseur. C'est à travers la fermentation qu'elle va se révéler. Mais pour l'influencer, en général, il faut chercher des pinots noirs qui ont plutôt une maturité fraîche, pas récoltée trop tardivement. Donc c'est notre cerveau qui est capable d'identifier cette molécule et de penser, quand on sent le pinot noir, de penser à la violette. Exactement. Donc pour être un meilleur dégustateur, il faut peut-être sentir beaucoup de choses. Voilà, et tout simplement essayer de les retenir. Oui, voilà. Ça c'est pas facile, hein. La mémorisation des odeurs, il y a des moyens d'y arriver, mais il faut beaucoup s'entraîner. Oui, oui. En même temps, je pense que l'odeur, c'est un certain des sens le plus négligé, je dirais. Tout à fait. Aujourd'hui, je dis toujours qu'on ne néglige pas la vue, comment on dit la... Le toucher. Le toucher, merci. Oui. J'ai oublié mon français déjà, un peu. Bon, le goût, etc. Mais l'odeur, on l'oublie totalement. On n'a pas besoin d'odeur aujourd'hui, non? On en a moins besoin, c'est sûr. C'est intéressant de voir notre génome, parce qu'on a un certain nombre de gènes qui vont coder pour l'olfaction. Donc, chacun de ces gènes va créer un récepteur olfactif qu'on va retrouver dans notre nez, un type de récepteur. Et auparavant, on avait 1000 gènes qui codaient pour l'olfaction. On en a toujours 1000, mais il n'y en a plus que 350 qui fonctionnent aujourd'hui. C'est bien la preuve qu'on a perdu l'habitude d'utiliser notre nez. Donc ils sont comme les muscles qu'on n'utilise pas? Oui, on peut dire ça. Okay.
Donc quand on les utilise, ils réagissent, ils commencent à réagir mieux ou quoi? Non, là on les a définitivement perdus avec l'évolution. Okay. Par contre, il en reste quand même encore 350, ce qui est énorme, et il y a de quoi faire avec ça. Mais en général, quand je dis que je sens la violette et toi tu dis que tu sens la lavande, est-ce qu'il est possible que tous les deux on a raison? Très très bonne question, oui. Parce que on va jamais sentir exactement l'odeur de la lavande ni exactement l'odeur de la violette. Ce sera des molécules qui vont nous y faire penser. Donc on n'a forcément jamais raison ni tort quand on parle par analogie. Enfin, on peut avoir tort. Le seul moyen d'être précis, c'est de parler des molécules. Mais très peu de personnes peuvent le faire. Ouais. Donc si on parle de molécules, on est certain de dire exactement ce qu'on sent. Et là, on peut dire si on a tort ou on a raison, sur une analyse du vin. Mais en connaissant les molécules, on va justement être capable de dire si cette personne a senti le narcisse, si cette personne a senti la sueur de cheval, au fait, ils ont peut-être senti exactement la même molécule, alors que l'un parle d'une fleur et l'autre parle de Brettanomyces. Ça, c'est génial. C'est vraiment intéressant. Les raisins n'ont pas les mêmes odeurs que le vin final. À quel moment le vin devient ce qu'on a dans le verre? Il y a beaucoup de choses qui vont faire évoluer les odeurs, mais la principale période, c'est la fermentation alcoolique. C'est là où les levures et les enzymes qui sont liées aux levures naturelles vont transformer tous ces précurseurs en molécules aromatiques. Certains cépages, parfois, ils sentent déjà beaucoup sur le raisin. Par exemple, le cerf. Voilà. Mais la plupart du temps, il faut révéler les précurseurs. On peut parler dans notre épisode sur l'alcool que vous pouvez voir ici. On a parlé de beaucoup de choses déjà. Maintenant, dis-moi, comment tu peux aider un vigneron à faire un meilleur vin? Parce que tu veux dire, tu m'as dit que tu les aides à rendre le vin peut-être plus aromatique ou à révéler les arômes plus voulus d'une façon naturelle. Donc comment je peux faire que, par exemple, un Sauvignon blanc vraiment sente comme fruit de passion, tu sais, toutes ces choses tellement tropicales, tellement adorées par les gens en Pologne? Y a deux manières déjà. Une, c'est aussi la formation, parce que c'est une partie de mon activité de former les œnologues et les vignerons à mieux déguster, pour être plus précis. Donc je vais tout d'abord essayer de transmettre cette partie-là, pour que la personne elle-même comprenne, puis ensuite, après, on va réfléchir sur ce qu'on peut faire. Donc comment est-ce que je procède? Je vais toujours déguster un vin qui a déjà été réalisé, et puis donner mon impression, penser aux différentes molécules que je sens, discuter avec le vigneron, parce que le seul qui connaît vraiment son vin, c'est le vigneron. C'est jamais un consultant qui vient et puis qui donne son avis comme ça. Donc c'est important d'avoir un échange. Et puis après, essayer de comprendre ce que le vigneron recherche. Et si voilà, il recherche plus de fruits de la passion, si par exemple son vigneron était beaucoup trop végétal, voilà, on va chercher à renforcer certaines molécules qui s'appelle le 3-mercaptoxanol ou 3-acétate de mercaptoxyl, et essayer de voir où est-ce qu'on peut intervenir pour renforcer ces molécules. Donc au niveau viticole, c'est possible, en travaillant mieux sur les dates de vendange, faisant peut-être attention à l'effeuillage, pas trop effeuillé ou quand même effeuillé un peu pour améliorer l'aération de la zone des grappes, mais éviter qu'il y ait trop de soleil qui arrive quand même sur les raisins. Principalement ça, il y a d'autres possibilités, c'est aussi jouer sur la fumure, donc avoir suffisamment d'azote dans le sol. Après, au niveau cave, là aussi il y a de quoi faire. Soit en travaillant à certaines températures, plutôt fraîches en général, soit en travaillant avec les levures. Je voulais te poser une question sur les odeurs de les arômes, je sais pas, de pétrole dans le Riesling. D'abord, est-ce qu'on peut les trouver seulement dans le Riesling? Nous, on trouve dans d'autres vins. Oui. Et d'où viennent ces arômes? Alors, c'est compliqué parce qu'il y a énormément de précurseurs qui peuvent amener à ça. Mais une chose est sûre, le Riesling en a beaucoup. Après, il y a différentes choses qui vont renforcer la concentration. Il y a plusieurs études qui ont été faites, notamment le vieillissement. En fait, tous les vins ou presque peuvent avoir un côté pétrolier à la fin. Un chardonnay, un chenin qui vieillit beaucoup, on a du pétrole à la fin. Voilà. Mais on en a moins sur le Riesling, parce que le Riesling a plus de précurseurs.
peut venir de la vigne, enfin ils viennent tous de la vigne. Et puis suivant comment, par exemple, on travaille au moment des vendanges, si on triture un peu trop ou volontairement la matière première, donc quand les grains, les raisins arrivent en cave, si on ne les soigne pas beaucoup ou on presse, on foule un peu violemment, pour l'éviter en général, ça va renforcer ce caractère-là. Donc ça veut dire que les raisins qui ont été maltraités, ils ont plus d'odeur de pétrole ? En général, oui, mais de nouveau, c'est qu'un seul élément. Il y a plein d'autres éléments qui vont renforcer ça, mais il ne faut surtout pas généraliser. Donc est-ce que tu peux sentir ce vin, juste me parler de ce vin en termes de molécules ? Alors il y a plusieurs molécules qui sont assez intenses, que je sens bien. L'une d'entre elles, qui n'est pas toujours considérée comme qualitative, c'est l'éthylphénol. Ne me dis pas ce que c'est. D'accord. Une autre que je sens aussi un peu, et puis qui est liée à la maturité de la vendange, et au soleil qui va agir dessus, c'est du sotolon. C'est également un côté plutôt épicé, apporté par la rotindone. Je pense que c'est les trois principales. Après, il y en a d'autres encore, Oui, je peux sentir. Oui. Malheureusement, la rotondance, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu sens le poivre. Ouais. Ok. Moi, je sens un peu la fumée, ce qui est lié au bois. Je sens aussi des fruits de forêt, comme blueberries. Comment on dit? Myrtille. Oui, et je sens un peu de pruneau. Oui, et un peu d'épices. Mais redondant, tu as dit, donc c'est poivre. Et pour moi aussi, on peut peut-être des épices comme dans le pain d'épices, épices de Noël. Voilà. Mais dis-moi maintenant, les deux premiers dont tu as parlé, ça donne quoi dans la langue des gens normands? J'ai tout à fait aussi senti des notes fumées, des notes de bois, des notes de fruits. Mais les deux premières dont j'ai parlé, la première, c'est la sueur de cheval. Ok. Donc lié. Mais ça sent aussi comme la lavande, tu as dit. Ou non, ça comme. Comment tu l'as dit, tu as... Narcisse. Oui, narcisse. Tout à fait. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Quand on parle d'un vin, on peut utiliser un langage qui est tout à fait positif ou négatif. Ça dépend si on a des connotations mauvaises ou positives. Exactement. Ouais. Ça, c'est génial aussi. Oui. Et la deuxième, dont tu as parlé? Le sotolon. Donc ça, c'est lié vraiment à la maturité du vin. Du raisin, pardon. Ça peut il aussi était un être peu lié... trop mature. Oui, je pense. Ça peut aussi être lié à de l'oxydation. Okay. Mais là, je pense que c'est lié soit aux deux, mais plutôt au niveau viticole, à la date de récolte qui était un peu trop tard. Et c'est la molécule principale de la noix, mais on la retrouve dans le pruneau également. La toute dernière chose. Est-ce que ça existe? Ma réponse est oui, mais je pense que la tienne aussi. Quelque chose comme mémoire d'odeur. Est-ce que ce n'est pas une des plus belles mémoires? C'est la plus efficace qu'on puisse avoir. La Madeleine de Proust, dont on parle souvent en littérature française notamment, est un très bon exemple. On a tous des odeurs qui vont nous faire rappeler notre enfance souvent, et également tout ce qui nous entoure, également la mémoire visuelle, la mémoire textuelle, le goût, enfin tout ce qu'on a eu à ce moment-là va nous revenir en mémoire. Ouais. C'est pour ça que la mémoire olfactive est incroyable. Par contre, réussir de passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme est très compliqué. Les émotions peuvent nous aider, mais on ne peut pas avoir 1000 émotions différentes dans un verre de vin, une pour chaque molécule. Bien sûr. Une fois, on a dégusté un vin avec une chef, une des meilleures chefs en Pologne, Agata Wojda. Salut Agata. Sur le balcon de mon appartement, on a dégusté un vin. Jusqu'à aujourd'hui, elle se rappelle de l'odeur du sang dans ce vin. Et très souvent, on parle de ce vin. Tu sais, c'était il y a, je ne sais pas, 7 ans ou 8 ans. Mais elle ne peut pas oublier l'odeur de ce vin. Et c'était une odeur agréable ou désagréable? Pour elle et pour nous, oui. Okay. Oui, moi, j'adore l'odeur du sang dans le vin. Voilà. Ok, Richard, merci beaucoup. J'espère que ça nous a éclairci et que ça vous a invité à déguster plus et à réfléchir plus sur les odeurs. Et à la prochaine. À la prochaine. Ah, tu as écrit aussi un livre, en anglais ou en français? C'est en français, mais il devrait être en anglais d'ici la fin de l'année. Ok,
Ok, d'accord. Donc, il faudra chercher la version anglaise. Et merci Richard. Et à la prochaine. Drodzy winopijcy, pamiętajcie, żeby komentować, subskrybować, dajcie nam łapki w górę i pamiętajcie, żeby pić odpowiedzialnie. Do następnego razu. Bye, bye. Drodzy winopijcy, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to koniecznie zobaczcie nasz dość stary odcinek, w którym mówimy o zapachach i robimy małą ankietę na ulicy. Znajdziecie go tutaj.